What's up, guys? Bienvenue au cours de Janelle là et j'espère que tout le monde est en forme. On a continué à répondre aux questions nous jeunes sur Instagram et dans les commentaires vidéo. On a continué à répondre nous, guys. Et ou même, tu as regardé des vidéos, ça, dès qu'on fait une vidéo sur des questions, pas hésiter à poser. Moi-même, pour me répondre, pour me faire une vidéo sur ça et que pour nous continuer à avancer, guys. Ok? Vidéo aujourd'hui, on va répondre vraiment à deux questions. Première question, c'est imbalance avec avec zone de liquidité. Ok, comment qui t'a demandé imbalance avec zone liquidité, qui ça pour le plus considéré, ou du moins ce qui ça qui est plus important. Je dis à ma que pas vraiment quelqu'un qui est plus important que l'autre, pas vraiment quelqu'un qui est moins important que l'autre, pas quelqu'un qui est supérieur par rapport à l'autre. Tous les deux importants, et me pense que l'un entre dans l'autre. Ok. Et je vais expliquer nous exactement qui j'en sais. Ok. On dit que nous gagnons une session. Ok. Donc là, nous gagnons une session. Il y a n'importe qui session. Hein? Il y a n'importe qui session. Hein? Ok. But, ma prise session London. Ok. Ma prise session London. Et ça, c'est High London. Là. Ok. Ça, c'est Low London. Là. Ok, ça c'est le London. Parce que je me fais les guys. Ok, ça c'est High London nous. Et then ça c'est le London nous. Et que nous avons tracé le timing. Hein? Parce que, songez que guys, timing c'est ça qui est important. Ok, bon, même si la mettez n'importe qui temps, c'est juste pour moi mettre ligne pour me rappeler nous, que nous supposons qu'on est dans qui intervalle temps. Telle session commence et telle session finit. Et que je fais vidéo sur ça déjà pour montrer. Donc, right? So, ça c'est le London. So, qui ça que nous allons remarquer, guys, c'est que, songez que me dit nous, market là, il accumulé en bas low et que le distribuer sous tête high. Ok? Donc, attendons à ce que sous tête high, nous allons joindre un imbalance. À 90 à 95% fois, sous tête high, nous avons un imbalance. Ok? Et time frame pour nous plus checker, c'est M15, H1, H4. But plus que M15, parce que M15 c'est time frame plus utilisé dans le marché. M5 c'est plus pour un entry. But pour me placer stop loss, je garde M15. Pour me faire un paquet de bagailles, pour me confirmer quelques bagailles, M15. Pour me close position, avant, je suis supposé close li parce que je suis en wrong, M15. Ou du moins, pour me quitter profit, pour me quitter marché. Fait ça la fait ya. Et sans pas vraiment besoin de worry, je garde M15. Donc, so, vraiment garder M15 parce que pour plus fort position, c'est dans M5. Donc, après M5, il y a un time frame qui est censé venir après. Ya, pour moi-même, c'est M15. Right? So, donc, M15, c'est vraiment un time frame que je toujours up checker pour moi si pas un balance sur tête high. Il y a un gap tout, un balance ou bien gap en bas low. Yo. So, ça c'est pour barre pour nous mettre dans tête nous, c'est que en bas l'eau yo, l'eau session, l'eau daily, etc. Li facile pour nous joindre un imbalance dans trois time frame que nous se dit nous là. Kounya qui ça pas passer, ça pas passer, c'est que les pas gagne une divergence, les pas gagne une divergence pair qui pas prendre liquidité hein. OK, pair qui pas prendre liquidité hein, le plus souvent il pas réagir dans imbalance. Il va réagir dans imbalance qui en bas l'eau session que nous t'ayons en gain. OK, donc c'est à dire que oui, il est probable pour trade position qui a prendre liquidité, c'est pas que l'impossible. Nous toujours pas nous raison qui fait que l'est préférable pour nous trade peur qui pas prendre liquidité, mais c'est pas que trade peur qui prend liquidité impossible, ou du moins s'il hors la loi il a mettre en prison pour ça. Mais kounya là, pour rentrer dans position ça, gain un bagage qui parle vraiment important pour connaître. C'est que on dit que ça c'était M15. OK. On relie ça à M15. OK. Donc kounya li parle important dans réaction ça ou checker quatre bon, ou ça checker quatre bagages. Premièrement, c'est garder pour essayer balance là fil à 100%. Li pas obligé fil à 100%, mais garder pour essayer fil à 100%. Kounya s'il fil à 100%, li possible vraiment pour chercher bonne position dans peur qui t'a la liquidité, mais s'il pas fil à 100%, faut regarder qui ça marche à qui t'est là. Mais trois bagailles ou pas supposé ou en zone ça là pour rentrer en position. Premièrement, c'est et ou pas brûler equals. OK, soit equal
c'est un signe que match a gain probabilité pour vinn fon dernier joueur encore avant l'y aller. OK, no equalose ou du moins no weekendo. So, encore une fois, no weekendo pas vraiment empêché m'entrer dans marché hein, but li plus fait comme si gain awareness. OK, mettez position mon petit Jean plus bas si c'est seulement no weekendo. OK, but si son seul, but si c'est deux, si c'est no weekendo, m'pa monter en position. Donc ou pas vle equalose, ou pas vle week, ou pas vle yon gap créé là tout. OK, ou pas vle yon gap créé là tout. Et m'a parlé de qui time frame, m'a parlé de yon lower time frame. Par contre, ça passe, guys. Souris, on a un petit problème. Par contre, c'est décharge. Il va le décharge. Ma checker après. Ok. Ou pas vouloir gap. Non, lower time frame. Songez que ça, c'est M15. Donc, dans la réaction, ça, ou pas vouloir equalose. Ou pas vouloir no weekend. Ou pas vouloir gap. Si M balance, ça pas filac 100%. Pour qui ça? Parce que, automatiquement, que vous pas chercher une position là, par exemple, et que ou pas vouloir marcher à l'iPhone dernier drop avant que l'y chuter. Avant que li vraiment fait ça, avant que li monte. Kounya, ou pas le dit que Machia li prend stop loss, ou pas le plus souvent soit apporté la stop loss soit plat. Mais c'est parce que non seulement Mbayan s'en pas de fin fin net, li te quitte Ecolose, ou du moins si yon no weekend ou bien yon gap. Automatiquement que Machia fait ça, Kounya, automatiquement que li quitte yon bagay sa ou, c'est sûr que la fond dernier tourné. Kounya, s'il pas quitté yon nan bagay sa ou, et que imbalance lan li pat fin fil, kounya ka toujours pren position, et que kounya stop loss ou, wap mette l'exactement après imbalance lan. Pas yon pièce situation pour mettre stop loss ou, non imbalance. Essayez éviter ça. Essayez éviter. Même moi, parfois, m'en position, stop loss m'en trouve non imbalance. Même moi, c'est strict. But essayez éviter ça. Essayez mettre stop loss ou non imbalance. Surtout M15, dis-nous ça, surtout M15. Donc, si vous rentrez dans une position et que vous stop loss, vous pouvez trouver un imbalance. Essayez de garder pour vous paramétrer le pi bas imbalance là, juste pour protéger tout. OK? Kounya là, qui ça passe dans le genre de mouvement ça qui fait que me préfère trade position qui parle prendre liquidité. Les nous gain mouvement ça par exemple, OK? Puis qui parle prendre liquidité à lui-même, qui ça va le faire, c'est que automatiquement que gain mouvement ça automatiquement que m'gain mouvement ça on va chercher rentrer en position parce que peur qui pas prendre liquidité à lui-même il pas descendre encore mais kounya ça que pour nous chercher connait ça que pour nous connait tout c'est que même peur qui pas prendre liquidité hein il va le plus souvent réagir dans un balance qui Jean c'est que avant que et divergence l'en fait etc n'a pas que en pile fois mouvement ça li réagit non imbalance. OK, bon mieux tracer pour nous comprendre ça m'a dit hein? Peut-être balle dans marché pour me chercher. OK, so on dit que nous gon mouvement comme ça dans pair qui pas prendre pa liquidité hein? Le plus souvent là nous gagnons un imbalance. OK, là par exemple nous gagnons un imbalance qui pas le respecter surtout M15. N'a pas toujours dit M15 parce que imbalance M15 yo priceless. OK, n'a pas que même peur qui pas prendre liquidité il pas réagir dans imbalance. Quand ça parle passer c'est que qui ça pour nous connaît c'est que imbalance avec zone de liquidité yo tous les deux ensemble bon plus confiance. Tous les deux ensemble bon vraiment bon plus confiance. C'est ça qui fait même dans choix mitigation yo tout autant que mitigation nan créer imbalance li pi bon. Ainsi je dans quelque doute tout autant fois que créer imbalance li pi bon. Quand y a le quoi regarder une zone de liquidité yon low en session, gardez pour si nan envie dans zone yo la pa gen imbalance, gardez pour si en balle pa gen imbalance. Et ça qui en bas vraiment important. Pour qui ça? Parce que songez que me dit market lan li accumuler en bas low, li distribuer sous tête high et qui côté le pral accumuler dans imbalance qui en bas low a, qui côté le pral distribuer nan imbalance qui sous tête high là. Mais le fait que nous ajouter divergence nous parle plus trade position qui pas al accumuler sous tête high là ou du moins en bas low là mais qui parle à accumuler dans imbalance qui en bas en vent low là ou bien en vent high là. OK, so kounya là par exemple nous pas jouer en position et qui côté kounya nous parle gagner target nous et ben nous parle gagner target nous dans imbalance ou bien en zone de liquidité mais le plus souvent kounya nous pas jouer imbalance qui sous tête liquidité hein. C'est ça qui fait dans position que me prend avant et me t'a montré nous que nous gagne dans position et que zone de liquidité à bord 1 pour 3 ou regardez qui ça sous tête zone de liquidité si c'est high pour essayer pas gagner imbalance parce que
peur qui parle pour liquidité, il y a plus de chance pour aller higher, pour aller plus haut. Donc, si tu parles plus haut, c'est que il y a plus de chance pour quitter la zone de liquidité ça pour aller dans imbalance. So, mes rapports imbalance gain ensemble avec liquidité. C'est une entrée dans l'autre, une marche dans l'autre. Quand il y a deuxième question à répondre, c'est un ami qui t'a demandé est-ce que le pas plus bon pour lui-même si que il rentre automatiquement que mitigation dans créé. OK, ça dit un, il pas nouveau. Ça dit un, il pas nouveau et George Angel rentre comme ça et dans quelques positions. OK, George Angel qui écrit un paquet de livres que montrer nous là plusieurs fois, ça j'ai montré nous un livre déjà. Il rentre comme ça, but moi-même il pas marche avec psychologie parce que m'a cherché précision. Et kounya si que m'a rentré automatiquement mitigation dans créé. Qui j'en risque de me bralier. Parce que si je t'apporte sur mitigation nan, ou bien overlap imbalance mitigation, je te dois gagner 6.52 stop loss et puis te target moins là par exemple. Ok, pas un problème. Kounya on dit que je gagne une mitigation qui confirme là et que kounya m'a rentré là. Donc au lieu que je risque 6.52 pip, là je risque 9.57 pip. Kounya pour me un pour toi, je pas obligé de chercher zone qui pire. Ça va demander pour moi rester dans marché beaucoup plus plus tout et puis plus rester dans marché c'est plus gabel ou bail. OK, bon pour monde qui fait swing ça pas problème pour yo. OK, mais pour même qui pas fait swing qui juste fait intraday rester trop dans marché a il pas souvent en faveur. OK, et ça fait toujours bien timing position mieux kounya moi même préférer vraiment rentrer les marchés à retourner dans mitigation là. OK, certes, parfois marché a juste créé mitigation dans l'aller sans pas retourner. It's okay, m'a prétendu en l'autre position. Et même mentor moi John Fibonacci qui me conseille nous regarder page YouTube li hein. Li même l'a pas entré exactement dans overlap imbalance mitigation. Il pas rentré l'autre, il pas juste entré sur mitigation comme ça. L'a pas entré dans overlap mitigation imbalance là. Right? Donc on a ça l'a pas entré dans overlap mitigation imbalance là. C'est sûr que parfois marché a il pas venir dans imbalance là et que l'a juste créé mitigational taper dans une mitigational là aller, but it's okay, l'a prend l'a tourner dans l'autre position. Donc moi pense que mon qui te pose question ça peut-être que mon n'a des problème patience ou du moins mon n'a trouvé que puis faut position lui pas activé parce que marché a pas retourner sur mitigation là dans time frame chercher là tout. Parce que parfois peut-être mitigation là taper dans M5 et puis dans M3 marché a gratter bon mitigation là il taper le retaper le retaper encore. So, bah vraiment kabay avim sou ça, but just partager qui ça que moi comprendre, qui ça que moi qui pi bon pour moi. Me préférer rester dans marché à retourner sur mitigation là. Et surtout mitigation là c'est de body on body. Me pas considérer weak. C'est quoi encore? Donc si j'en m'apprendre bagage là, c'est comme ça pour m'appliquer, me pas juste changer le, OK? C'est comme ça que m'apprendre li et moi vraiment wel bénéfique. À chaque fois comme si marché à retourner dans mitigation dans côté que c'est de quoi encore, c'est de ouverture à fermeture, il est vraiment plus bon, une week parade. OK, donc là ça c'est répondre deux questions que m'étais vraiment gagné dans vidéo yo sur Instagram et bah c'est que mon yo satisfait de réponse yo et ou même tout après vidéo ça continue poser des questions. OK, kounya là est-ce que m'pa joindre un exemple par rapport avec ça que m'sote expliquer dans marché là. OK, talo guys, tim gardon bagay, tim gade. Ba nou an nou mete timing nan parce que tout temps que pa gen timing nan, m pou ko comprendre rien k ap passer là. Tout temps que pa gen timing nan, m pou ko vraiment comprendre rien k ap passer, n ap essayer mete timing nan. Et le 30. OK. Donc ça par exemple, ça c'est le London. OK. Apparemment sur il n'a vraiment commencé à décharger guys pas le checker tout à l'heure même pas s'il t'a supposé vous voyez un message ben moi bah un message là ben m'a checker tout à l'heure. So là nous t'ai gagné un gap, nous gagné un gap qui confluait avec Azen Low là. OK, donc de fermeture bougie ça à ouverture bougie ça gagné un gap et en dedans gap là qui ça nous gagné l'Azen. OK. OK. So, on va chercher ça par exemple, ça c'est plus juste des high, ça c'est plus juste des low. OK.
So, là par exemple, Asian Low, ça nous gagne un gap qui en balle. London Low, là, nous gagne non seulement nous gagne un balance là, mais nous gagne un gap qui en balle. Ok? Et même sous tête high, ça là, gagne un balance là. Donc, c'est-à-dire sous tête high, London n'a gagne un balance, en bas, low, London n'a gagne un balance, en bas, low, Asian, bon, il conflue avec un gap. Et même là par exemple, dans l'ouverture de session London, l'ouverture London qui fait là, marché à côté là, il peut faire ça et pour descend si on imbalance là l'alphine fil imbalance ça qui était sous tête reste imbalance ça qui était sous tête Asian High là avant que marché il drop. C'est pas plus ça m'a cherché non. Ok, on a essayé mettre Nas n'a mettre Nas et que n'a mettre US 32 pour nous c'est pas de grand potentiel divergence. Ok, un potentiel divergence. Ok, regarde US 30. Je vais vous chercher avec Nas 100. Je vais vous chercher avec Nas 100, guys. Et je vais prendre US 30 tout comme peur qui part pour liquidité. Mais ça me tape chercher là guys parce que bon possible génial avec Nas. OK, qui ça nous guys n'a pris mes timing n'a mes timing dans Nas qui vraiment qui extraordinaire qui vraiment extra important. Qui ça que nous ca remarquer c'est que Nas cal prend Asian low en là guys cal prend London low en là tout si m'a regarder bien cal prend London low. OK, cal prend London low. Yeah, là par exemple Nas pour moi là il prend London low hein. OK. OK, et puis là nous t'ai un gap là. Jesus Christ. Pourquoi ça me fait qu'à expliquer là ça me fait qu'à expliquer là, je viens exactement même exemple là. Crazy. OK. So, si n'a regardé bien, n'a pas que par exemple là Nas li vini yon première fois et nan gap ça et then li vini yon deuxième fois. Donc c'est sûr que si que nous pas décote, si n'a décote ki zone ça là, c'est sûr que marché a quitté yon raison qui fait que li retourner dans imbalance. Et ça c'est ça que m'ta expliqué tout à l'heure. Là gap là li pas fin, li pas retourner dans gap là à 100%. Okay. Il pas retourner dans gap là à 100%. C'est sûr que il y a une raison là qui fait marcher pas retourner dans gap là à 100% qui fait que il retourner dans gap là encore une deuxième fois. Nous pas regarder tout à l'heure mais n'a regarder SPX tout. Si n'a regarder SPX tout guys, n'a pas que là par exemple SPX réagit exactement non imbalance. OK. Et c'est pour des bagages que m'étais ouais qui fait que m'étais tout campé pour par exemple. C'est ça que me dit ouais qui fait que me dit bon garder pour moi si pas besoin d'exemple que me t'a chercher là right. So ça c'est pure cal prend liquidité hein? Et il réagit côté non gap qui en bas London low hein, qui en bas Asian low hein, capable dire qui conflue ensemble avec tout right. And then il vient dans gap la première fois, il retourne dans gap la deuxième fois. OK, là par exemple, peur qui parle prend liquidité en là, il est en bas position parce que là il réagit exactement dans imbalance là. Donc c'est sûr que là marché réagit dans imbalance là et que là par exemple, il gagne droit bail opportunité. OK, et d'ailleurs là par exemple, nous gagne New York Stock Exchange open là qui c'est exactement ça que qu'on a habitué dit nous hein. Donc nous qui gens que marché retourner dans New York Stock Exchange open là. But kounya là nous parle en descend dans M5 M3 pour nous écouter. Est-ce que market n'a pas quitté une raison pour le tourner là? Ou il quitte une raison pour le tourner là? Là, il y a un no weekend. OK? Il y a un no weekend que le quitter qui dit nous que si at li réagit là, c'est erreur ça que m'a évité, l'aime dit nous le préférable c'est notre trade position qui pas à prendre liquidité hein. So, li fait mouvement ça, il quitte no weekend hein, et que certes, on m'a dit que ça c'était mitigation, on parle en position pour achat, mais il retourne en deuxième fois pour le faire qui ça pour le fin fil, gap là, que le pot de fin fil là,
And then, no weekend doa, c'est message que le quitte ya. Et pas même no weekend doa seulement. Là, que, là, tout me pense que gen gap. Pour ça que gen gap. Parce que bougie ça, li clôture là. Bougie ça, li ouvert là. Donc là, en quelque sorte, gen gap. Donc, ma chance quitte gap avec un no weekend doa. Qui ba nou yon signe que li probable pour marcher à retourner vin fin fil en balen ça là. Donc là, nous sommes censés avoir une deuxième mitigation qui va le faire. Un deuxième divergence qui va le faire. Right? Parce que de là à là, ou bien ça. Et puis de là à là, ou bien ça. Est-ce que nous là? Mais quand si nous avons entré en position, qui vous dit nous en position, nous avons entré en position. Automatiquement que marché a réagi dans imbalance M15A, ok, pendant peur sa li même li parle pour liquidité en bas qui en bas London nan, peur qui parle pour liquidité à lui même li réagit dans imbalance ça et qu'il fait mouvement ça, right? Donc peut-être M5 ou M3, c'est dans deux time frame ça on cherche position votre plus M5, ok. So peut-être que dès que marché a fait mouvement ça, on doit dire ça son mitigation. But pas trop aimer comme ça. M'pi aimer comme ça. OK, bien que marché pas toujours fait ça pi aimer, hein, right? And qui ça nous là guys, nous gain mitigation nous gon mitigation dans 3 minutes. Et puis un trim n'a fait depuis là parce que là marché ça c'est retourner dans overlap imbalance ça qui là guys. Overlap mitigation imbalance qui là. Yo, trading bell man, trading trop bell man. So, donc c'est sûr que position n'a depuis là que position. Cette marche a retourné là encore. Bon, si n'a regardé dans high time field, n'a pas été gain raison pour le retourner là encore, right? So, kounya la guys, marche a retourné exactement dans mitigation nan, qui conflue avec imbalance. Après ça a limonté encore. Pendant que pire qui t'a pris liquidité li même la prend petit temps pour la fin fil en balance que l'te quitté ya li pral fin fil en balance que l'te quitté ya parce que ça peut co réaction en balance c'est parce que c'est ça que fait m'a dit nous pire qui prend liquidité c'est pas seulement pire qui prend liquidité même pire qui parle prend liquidité en tout parfois li qui ton message qui dit nous que li gen pour retourner dans zone et trading partner moi co qui relé on finish business, OK. C'est-à-dire que son façon market là qui ton message pour dire que li poko fini là pour retourner dans zone là encore. Et ben c'est ça qui compte passer dans zone ça qui fait que parfois n'al trade pire qu'al prend liquidité à nous fait stop loss. C'est parce que n'al prend une balance qui était en bas zone de liquidité hein, ou bien gap qui était en bas zone de liquidité hein, dans réaction nous tout prend position alors qu'il te quitte ton message là, il doit y close, il doit gap, il doit no candles qui dit nous que m'ka retourner dans zone ça et qu'il retourne dans zone ça en deuxième fois ça que moun ki fait week off yo pa rele spring ou bien utable là et que marché kounya li monter voilà et explication ou du moins combinaison imbalance avec liquidité là c'est comme si Jordi Alba ensemble avec Lionel Messi ka fait la pluie le bouton pas oui. So guys, ba nou rendez-vous dans l'autre vidéo, j'espère que vidéo ça a été vraiment aidé moun qui te pose des questions ça. And deuxième question concernant mitigation là, entrer automatiquement que marché a créé mitigation là. Bon, si le marché pour faire, but moi même vraiment remis sniper entry, donc il pas fonctionner pour moi. Ou du moins, je dois rentrer vraiment nan, après confirmation mitigation là, but si li gon a peine on chouya en plus mitigation nan ma patri. But si gon begete gon belle distance, on dit que là par exemple, OK? On dit que là, c'est on dit que c'est ça m'ta considérer comme mitigation nan dans M5, right? Tout ça là pour m'entrer là, no. No way. Ça m'ta pas pour mettre pièce moun que m'va rentrer là. Ba on tu comprends, non? M'pa pas rentrer là. So ma préfère m'entendre rien tuer côté market là ou vinn retaper mitigation là avant d'aller. So guys, j'espère que vous avez aimé vidéo ça. Bah nous rendez-vous dans l'autre vidéo. Bye bye, à la prochaine.